Donc, bonjour. Là, ce qu'on va faire, ça va être un peu une sorte de masterclass à géométrie variable. C'est vous, en quelque sorte, qui allez donner le ton en fonction des questions que vous allez me poser. Ça peut être des questions d'ordre technique, rythmique, harmonique, mélodique, reverse. Ça peut être aussi tordu leur fuck GI. Ça, les Américains, ils te le pardonneront jamais. Voilà. Et donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, de tout ordre, que ce soit de la musique, des à côté de la musique, l'aspect humain, parce que on n'est pas que des doigts, des tendons et des muscles. Il y a aussi une caboche qui fait que, malgré tout le travail effectué, on ne puisse pas restituer sur scène ou en studio le travail qu'on a effectué à la maison. Donc, c'est open bar. D'accord, merci. Au revoir. J'ai beaucoup apprécié votre présence. Là, j'ai commencé justement par ce que tu disais en dernier, c'est l'aspect psychologique, on va dire, la capacité à pouvoir restituer ce qu'on est capable de faire chez soi à la maison et de ne pas stresser et perdre 30% de ses moyens dans différentes configurations. Quelle approche tu as là-dessus? Ça, pour moi, ça a été une dure lutte, avec le mot, bien entendu. Voilà, on sent, tu vois, voilà, pour rester un petit peu sérieux, c'est vrai que moi j'ai eu énormément de mal à concrétiser le travail à la maison. Je me trouvais un certain potentiel que je ne restituais pas du tout sur scène, du tout à cause du stress. J'étais ultra crispé, et à une période même où je cherchais du boulot. Bon, en tant que démonstrateur, ou en tant que... Voilà, ça c'est un truc que j'aurais voulu faire à l'époque. Et une fois, je crois que c'était au salon à Paris ou à Francfort, il y a un luthier qui cherchait un démonstrateur, puis pour toi, vas-y, toi tu joues d'enfer, vas-y, essaie de jouer. Oh, ok, donc, j'y vais, je prends la guitare du gars. Voilà, hop, je me branche et ça fait ça. Je me suis battu comme un diable et rien du tout, rien n'est sorti, de la merde. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans les cas là? Je sais pas, il y en a beaucoup parmi vous qui sont un peu sujets au stress, au stress paralysant en quelque sorte. Ouais. Alors moi j'ai réglé ça en affrontant à chaque fois dès que possible. En fait, il faut aller se prendre des tartes. Ça c'est la meilleure école. T'as peur, ben vas-y. Voilà. Tu vas te prendre une tarte, tu le sais, mais il faut y aller. Tu prends une tarte et puis après finalement tu dis bon, c'est pas si c'était pas si horrible que ça, même la tarte elle fait pas si mal que ça, même si elle fait mal, hein, de toute façon ça fait mal, mais c'est toujours plus douloureux quand on l'imagine que quand on le vit déjà. Et après petit à petit on apprend à gérer le stress, il a de moins en moins d'emprise sur nous. Et parallèlement à ça, voilà, un mec qui n'a pas confiance en lui, il faut qu'il bosse plus que les autres, déjà. Ça, il n'a pas le choix, il faut qu'il bosse plus que les autres. Et il y a un autre outil aussi que j'ai, entre guillemets, implémenté dans mes routines, c'est le travail sur la respiration. Alors ça, c'est colossal. C'est vraiment un truc que... je dirais même qu'il faudrait commencer par ça. Apprendre à respirer. Parce que c'est un truc qu'on ne sait pas faire. Que les stressés, ils ne savent pas respirer. Ça, c'est clair et net. Un stressé, il ne sait pas respirer. Et il faut apprendre à le faire. Il existe plein de protocoles qui sont relativement faciles à mettre en place. Mais la seule difficulté, c'est de tenir dans le temps, en fait, ces protocoles-là. En fait, le faire tous les jours. Et c'est juste une histoire de... je vais vite faire entrer dans quelques détails techniques. Rééquilibrer, on a un système nerveux central qui est double. Il y a un côté qu'on appelle le parasympathique, celui qui permet d'être zen, de s'endormir, de digérer, en fait, tout ce qui est d'ordre passif. Et puis le système nerveux orthosympathique, celui qui, dans le cerveau reptilien, nous fait ce qu'on appelle le système de la fuite ou de la lutte. Voilà, celui qui te booste. Voilà, quand on a un gros coup de stress, on peut courir super vite, on peut devenir super fort, on se fait agresser, on peut
Voilà, c'est celui-là. Et celui-là, en général, chien stressé, il est plus actif que l'autre. Et il y a des exercices de respiration qui permettent de rééquilibrer les deux. Et curieusement, et après, on apprend justement, en cas de stress, à revenir plus vite à l'état d'équilibre, de ce qu'on appelle de cohérence cardiaque. Voilà. Donc, c'est à travers de quoi ? D'un sophrologue, de YouTube, de vidéos moi, en fait, je discutais avec un mec qui était bouddhiste. En fait, à l'époque, j'étais barré là-dedans. Et lui m'a conseillé vivement de faire ça tous les jours. Alors, commencer par 5 minutes, puis petit à petit, j'allais jusqu'à une demi-heure tous les jours, tous les jours. C'est pas énorme. Là, aujourd'hui, il y a un protocole qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui vraiment, il y a des études scientifiques dessus. C'est pas du tout mystique ni quoi. C'est vraiment scientifique. Et on voit les résultats. Il y a des méthodes qui s'appellent la 3-6-5, à savoir, on fait 3 fois par jour, 6 battements, 6 cycles par minute de respiration. Et donc, c'est sur 5 secondes. 5 secondes d'expiration. 5 secondes inspiration, 5 secondes d'expiration sur 5 minutes et 3 fois par jour. Et ça a vraiment un impact. En quelques semaines, déjà, on commence à voir des résultats. Voilà, ça c'est pour l'aspect, on va dire, psychologique. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on peut bosser autant qu'on veut. C'est clair que si on est stressé, on ne met rien en place sur scène. Et même déjà le rythme, c'est la première chose qui dégage. Quand on est nerveux, on a un timing en général tendance à presser. Ouais. Voilà. Si, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, merci. Ouais. D'autres questions ? La passion pour Hendrit, elle est venue à partir de quel âge ? Dans l'adolescence, quand on m'a offert le Band of Gypsies live, là, et tombé amoureux. Et après j'ai eu plein d'autres influences, mais ça a été vraiment un tournant. Je suis passé de la guitare folk à jouer Simon & Garfunkel à Jimi Hendrix, à des trucs un peu plus rock, puis après ça a été toute la vague des 70s, Deep Purple, Led Zepp, puis les bluesmen comme Johnny Winter, etc. Compris, pas compris, mais en tout cas, déjà la première chose à faire, c'est on a toujours une approche instinctive de la musique, c'est par goût, voilà, j'aime ça, ben je bosse ça, donc c'est ce que j'ai fait, sans comprendre ce que je faisais. Voilà, je bossais un peu plus ou moins strictement ces plans de guitare, et puis que ce soit sa façon d'accompagner, qui était complètement originale à l'époque, et sa façon d'improviser aussi. Et l'approche improvisation aussi me plaisait énormément. Le côté un peu sauvage, un peu... Je prends des risques, je suis un petit peu borderline de temps en temps. Ça aussi, ça me plaisait beaucoup. Moi, ça, c'est un truc que j'ai gardé. Vraiment, j'aime bien improviser, j'aime bien prendre des risques quand j'improvise. Et bon, et des fois, je me casse la vie. Tu vas te taire, toi, je crois que c'est mon téléphone qui... Mais bon. Voilà. Hop, mode silence. Voilà, donc, pour répondre à ta question, à ce que j'ai répondu, c'est une question que je vous poserai souvent, ça, parce que des fois, je fais des petites digressions, je me barre, j'ouvre une parenthèse, une deuxième, une troisième. Questions ? Je retrouve à utiliser les influences Hendrix, Rojaïs, Salet. Ça fait partie intégrante de mon jeu. Après, dire à quel moment je suis hendrixien, à quel moment j'aime bien, je joue à la old source ou à la machin ou à la truc chouette, c'est devenu vraiment au départ, je pouvais bien faire la différence entre voilà, tel plan que j'ai repiqué à Larry Carlton, celui-là à Mike Stern, celui-là à machin, truc chouette. Et après, c'est des plus, je conceptualise leur approche de jeu et je les fais mien, en quelque sorte. De toute façon, ce qui se passe, on recherche toujours, c'est notre reflet qu'on recherche chez autrui. Voilà, si j'aime bien Hendrix, c'est que quelque part j'ai des points communs avec lui. Si j'aime Vai, j'ai des points communs avec lui, etc. Donc après, je les mets à jour en les travaillant. Et après, cette entre guillemets idolâtrie disparaît. Au départ, je suis complètement
J'idolâtre mes maîtres, en quelque sorte. J'étais un gros fan d'Hendrix, il ne fallait pas me parler d'autre chose. J'étais un gros fan de Beck, c'était pareil, de Vai, de Lukather. Voilà. Et une fois que je suis allé chercher chez eux ce en quoi je leur ressemblais, la sacralisation disparaissait, je les désacralise. Et du coup, je passe du mode consommateur au mode acteur. Je deviens maintenant un acteur de la musique et plus un simple consommateur comme je l'étais avant. Et ça, c'est le cheminement de n'importe quel artiste. Et je dirais, dans n'importe quel domaine, c'est comme ça que ça se passe. On a tous des maîtres, des initiateurs. On va chercher chez eux notre reflet parce que c'est exact. On se cherche en permanence, en fait. Hein. C'est nous-mêmes qu'on cherche. Et c'est pas du narcissisme, c'est la voix de tout un chacun d'aller chercher sa propre définition, sa personnalité, appelez ça comme vous voulez. Et ça, dans le cas de la musique, c'est sa personnalité artistique, c'est ce qu'on recherche. Et petit à petit, ça s'éclaire, ça devient de plus en plus évident. Voilà, je sais pas si j'ai répondu totalement, mais c'est toujours la question que je me pose. Est-ce que j'ai bien répondu? Moi je me barre, hein. Je suis très très volatile. C'est un choix, tu n'as pas eu l'influence de prendre la marque de guitare? Non, c'est une grade qui m'est tombée dans les mains comme ça à une période où je bossais avec un mec qui était blindé de thunes, qui était collectionneur et puis qui avait cette guitare-là accrochée quelque part qui était pleine de poussière. Il me dit, c'est pas possible, tu peux pas la laisser prendre la poussière. Puis j'ai insisté, puis il me l'a vendu. Puis voilà, maintenant, après, je dirais, est-ce qu'elle me plaît à 100%? Il y a des petits trucs que j'aimerais bien changer dessus, mais j'ose pas le faire encore. Ça fait juste 20 ans que je l'ai, mais j'ose pas le faire. Il faut prendre le temps de la réflexion. Là, c'est un peu exagéré. Surtout si elle a plus de 20 ans que tu joues exclusivement sur cette guitare. En studio, je joue sur Gibson, Strat, Telecaster. En fonction des sons, parce que un ampli, une guitare, une pédale, il y a tellement de combinaisons, tu sais ce que c'est. Voilà, donc en studio, je joue sur plein de trucs différents. Pas forcément celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment le côté pratique sur scène et elle me convient bien. Elle convient bien à mon jeu éclectique. C'est de la guitare éclectique que je joue de toute façon. Vous êtes censé. T'as une question? Oui, j'ai une question pour revenir surtout à Hendrix. C'est quelqu'un qui nécessite un placement rythmique très calé, et il y a le chant en même temps qui vient se mélanger à tout ça avec toute l'ornementation. Est-ce que c'est quelque chose qui a été naturel pour toi d'enclencher tout ça, je dirais, d'un seul coup? Enfin, d'un seul coup, on s'entend, mais ou est-ce qu'il a fallu un travail un peu spécifique ou... En fait, moi, ce que je comprends chez Hendrix, c'est que ça faisait des années qu'il le faisait, je ne dis pas naturellement, mais son jeu se complexifie. Si tu veux, la combinaison jeu de guitare-chant s'est complexifiée avec le temps. Moi, quand j'ai bossé le répertoire pour le trio, il a fallu que je fasse le travail qu'il a fait en plusieurs années, je le fasse en très peu de temps. Donc, je me suis mis des séquences à tempo très, très bas. Et... genre, il y a un titre qui fait ça. Voilà, et là, avant de pouvoir le faire, ça, il a fallu que je le bosse super, super ralenti et que je calcule en quelque sorte les points d'intersection qu'il y a entre la rythmique du chant et la rythmique guitare. Et voilà, à quel moment je joue entre deux coups ou à quel moment je joue à l'unisson avec la guitare. Et ça, je l'ai travaillé super lentement et c'est vraiment la plus grosse difficulté que j'ai eue dans ce truc-là. Ça se recoupe. Oui, on en a déjà parlé avec Pat, justement, et c'est ce qu'on s'était dit, exactement. L'indépendance chant-instrument, c'est vraiment un truc qui n'est pas évident, parce que
une rythmique peut être hyper simple, une ligne de chant peut être hyper simple, et les deux ensemble, ça devient un casse-tête. Voilà, donc il faut, je dirais, c'est quasiment du cas par cas qu'il faut traiter. Voilà, donc, est-ce que c'est de l'indépendance finalement ? C'est de l'indépendance, ni plus ni moins. Bah, on les deux en même temps. C'est une forme d'indépendance, mais ouais, malgré tout, j'appellerais ça de l'indépendance, mais c'est juste pouvoir dire à quel moment je joue cette note-là ou celle-ci ou. Voilà, je joue cette rythmique-là, même à tempo plus lent, et pour m'assurer de la stabilité du tempo, je mettais une séquence, une batterie qui me guidait là-dessus. Et je faisais... Every day in the week, I'm in a different city. C'est un carnage au début. Mais bon, c'est comme ça que je bosse, et pour moi, c'est la méthode la plus rapide. De vraiment décomposer. C'est comme tout, hein, de toute façon. On veut travailler une rythmique, on décompose la rythmique lentement et on check chaque coup de médiator. Il n'y a pas de méthode plus rapide que celle-là, en ce qui me concerne. Et par rapport à mes 30 ans d'enseignement, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, voilà. Comment tu gères ta vie de musicien ? Pardon ? Comment tu gères ta vie de musicien ? Ma vie de musicien, c'est un métier comme un autre, si ce n'est qu'il y a des périodes où tu ne vois pas ta famille parce que tu voyages. C'est pour ça que souvent je prends mon fils avec moi dès que je peux. Et c'est tout, quoi. En fait, après, des fois c'est un casse-tête parce qu'il y a des périodes où c'était vraiment un casse-tête parce que je bossais avec plusieurs productions. Et alors là, sur le planning, pendant X temps, tu n'as pas de boulot. Et puis sur une journée, tu as trois plans différents, toujours obligé de faire le tri et avoir des plans où tu as des remplaçants. Par exemple, avec Ange, il n'y a pas possibilité d'être remplacé. Avec, là, je joue aussi avec des grosses chorales de 1000 ou 2000 choristes. Et pareil, il n'y a pas possibilité, il n'y a pas trop. Quoi. Sur le principe, si, c'est possible, mais c'est tellement devenu une famille que... Voilà, on veut toujours bosser ensemble et on tient vraiment à être tous dispo. Du coup, j'ai la chance de pouvoir, à chaque fois qu'une production me dit « je suis pris à telle période », je contacte la prod de Ange et ils ne prennent pas de date dans la période-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une chance que j'ai. Et moi, j'ai plein de potes qui bossent avec des grosses prods parisiennes et eux, ils ont des remplaçants dans tous les coins. Voilà, ils sont plus ou moins obligés. Et dans ces prods-là, c'est... assez facile, c'est des pions en quelque sorte. On est tous remplaçables, hein, de toute façon, mais dans Ange, voilà, il n'est pas question, c'est Christian, il ne veut pas qu'on soit remplacé, il ne veut pas de remplaçant. Point. Si un jour, l'un de nous se blesse, il n'y a pas de concert, puisque je souhaite à personne. Voilà. Qui avait posé la... Ouais, voilà, et après, c'est un sujet super vaste, hein, la question que tu as posée, elle soulève beaucoup d'autres questions, mais... Voilà, en gros, je gère la vie entre, actuellement, c'est deux grosses productions, plus les cours, mais les cours, voilà, les cours à la MAI, c'est quand je suis en tournée, ils savent que je suis en tournée, et puis voilà, ils ne programment pas de cours. Voilà, voilà. Tu es autodidacte ? Oui, autodidacte. La question, c'est, tu es autodidacte, oui. Alors, j'en parlais hier, je crois, ça avec Zoran, je crois que j'en parlais, le fait d'être autodidacte, ça, j'ai passé... Vous savez, une progression, c'est un plateau, progression, plateau, progression, plateau, c'est que ça. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur chaque plateau. Du coup, quand j'enseigne, je connais les moindres coins de chaque plateau. Voilà. Mais je conseille vivement pour la progression de prendre des cours. Franchement, j'aurais joué beaucoup plus tôt si j'avais pris des cours. Il y a plein d'erreurs que je n'aurais pas faites. Parce que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pris de mauvaises habitudes et j'ai vite rectifié. J'ai vite rectifié. Donc, alors que j'ai des élèves qui ont déjà une trentaine d'années, qui ont pris des mauvaises habitudes, ils rament pour se libérer de leurs mauvaises habitudes. Moi, je conseille toujours de prendre des cours, franchement, de trouver un bon prof, parce que ça aussi, c'est pas toujours évident.
Il faut trouver un prof avec lequel ça match, parce que l'enseignement, il est fait par l'enseignant et l'enseigné. Et il faut que les deux matchent ensemble. Sinon, il faut changer de prof. C'est pas forcément que le prof soit pas bon, mais tous les profs ne conviennent pas à tous les élèves. Donc, il faut trouver chaussure à son pied, en quelque sorte. D'ailleurs, à ce propos, moi, je donne des cours par visio, donc si ça vous branche, n'hésitez pas à me contacter par Messenger. Ceux qui n'ont pas Messenger, tant pis. Non, par mail. Voilà, qui n'a pas Messenger, parmi vous, quoi, Facebook Messenger, levez la main bien haut. Voilà. Il y en a quand même. Oh là, toi, c'est pas, t'as pas le droit. Toi, t'as pas le droit. Je veux dire, ceux qui sont plus de cinquantenaires, je comprends. Hein? T'as quel âge? Ouais, putain, je suis plus vieux que toi, t'as pas le droit. T'as pas le droit. T'es cinquantenaire? Pile poil? T'as pas le droit non plus. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, mais t'as raison. Moi, je suis pas un Facebooker, simplement c'est un super outil malgré tout. Si tu vas pour te pignoler, non, pardon. Je me parle mal, hein. Il y a des mineurs parmi vous? Fils. Ouais, mais mon fils, il... le pauvre. Donc, pardon, à part mon fils, qui est mineur, pardon. Ah, t'es mineur. Ah. Ben, écoute, va ranger ta chambre. Voilà, donc... voilà, c'est malgré tout un sacré outil. C'est sûr, hein, y a du bien comme du mal. Comme sur YouTube, tu trouves des tutoriels phénoménaux, fantastiques, comme tu trouves de la daube de haut niveau, quoi. Ah ouais. De haut niveau, si je puis m'exprimer ainsi, je voudrais dire le bas-fond de la daube. Voilà. Enfin, voilà. Questions? Chez Ange, oui. Et maintenant, t'écoutes plus. Écoute maintenant, parce que depuis 96, il y a un gratteux monstrueux. On est incroyable. C'est... Franchement, ma modestie m'empêche de faire vraiment l'étalage et puis de l'éloge dithyrambique de ce guitariste phénoménal. En toute modestie, bien entendu. Est-ce que le fait d'avoir fait de ta passion un métier te fait parfois douter ou manquer de motivation ou manquer d'envie de travailler ou des choses comme ça? Alors c'est, je dirais un peu le contraire. Vous savez, les Japonais, ils ont un concept qu'ils appellent l'ikigai. L'ikigai, c'est quoi? C'est en quelque sorte la réunion de ce que tu aimes, ce que le monde attend, ce pourquoi tu peux être payé, et il y a encore un autre domaine. Non, en fait, il y a quatre domaines comme ça. Et celui qui, et ils considèrent que celui qui a réussi à faire de leur... quotidien, donc la réunion de ces quatre domaines-là, je ne sais pas si j'ai retrouvé le quatrième. Je sais, peut-être que je l'ai là. Si je ne suis pas complètement... non. Comment ça s'appelle l'ikigai? Ouais. Et ça s'écrit comment ça? Ikigai. D'accord. Et vraiment, c'est vraiment... Il y a un dessin qui met les quatre domaines en cercle. Et forcément, les quatre cercles, le point d'intersection, l'intersection des quatre cercles, c'est ce qu'ils appellent l'ikigai. Toi, t'es le meilleur. Voilà, ce que vous aimez, ce que le monde attend, ce pourquoi vous êtes payé, et ce, le domaine dans lequel vous êtes doué. Alors moi, c'est pas... Merci, t'es un bon, toi. Tu devrais bosser pour moi. Voilà, après, c'est pas prétentieux de dire je suis doué pour tel domaine. Je dirais plutôt c'est de la fausse modestie de dire le contraire. Quand vous avez un talent, c'est dire non, je suis pas trop doué pour tel domaine. C'est pour moi, c'est l'hypocrisie et de la merde à haut niveau. Quand on a un talent, il faut absolument avoir conscience de son talent. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, le monde l'attend, ce talent. Et c'est pas mégalomane de dire le monde. Quand je dis le monde l'attend, c'est un public de 100, 200, 300 ou 50 personnes. Mais c'est le monde. C'est quand même le monde.
Moi, je me rends compte de ça dans les concerts de Ange, où je rencontre des gens à la fin, on va discuter avec les gens. Puis, mais combien de témoignages j'ai de personnes qui me disent « Putain, wow, on a rechargé nos batteries pour 2 mois, là, c'est génial !» Mais on, à chaque concert, j'ai des dizaines de personnes qui me disent ça. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas minimiser son rôle dans n'importe quel domaine. Moi, mon domaine, c'est la musique. Et c'est vrai pour tous les métiers. Moi, je pense ça, en tout cas. Qu'on ne doit pas minimiser notre talent. Et il faut tout mettre en œuvre pour le développer le plus loin possible. Trouver le bon délai, hein, pour l'attendre. Le bon délai, oui, bien sûr. Mais en tout cas, pour rester, là, je suis vraiment sérieux. À une période, j'étais ultra... J'étais un perfectionniste. Et petit à petit, je deviens un optimaliste. C'est un concept qui a été développé par Tal Ben-Shahar. C'est un écrivain israélien qui est vraiment... Il a écrit un livre qui s'appelle « L'apprentissage de l'imperfection ». Apprendre à accepter le fait qu'on soit imparfait, en quelque sorte. Ça a été extrêmement difficile pour moi. Moi, je bossais comme un taré. Je me trouvais des imperfections. Et bon, il faut que je bosse plus. Je bosse 5 heures par jour, c'est pas assez. Alors, je bosse 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je bossais 15 heures tous les jours. Et je me trouvais nul. À un moment donné, tu dis... Puis, bon, j'ai pété un câble. Au bout de 3 ans, 15 heures tous les jours. Hein. C'était... Bon, sauf quand j'avais des concerts, et puis au moment où j'allais faire mes courses, je cavalais comme un malade pour ne pas perdre de temps. Parce que faut bosser. À un moment, j'ai pété un câble. Hein. Et ce qui m'a sorti de cette névrose-là, c'est le fait que... avant, j'étais sur scène, je faisais un pain, ça, et j'allais à la séance flagellation, après chaque concert. Ouais, putain, t'as joué comme une merde. Et puis je continue à chaque concert, j'ai fait un pain là, j'ai fait ceci, la note là, putain, mais à un moment donné, j'ai un gars qui est venu me voir après un concert, il me dit, il était sur une chaise roulante, il me dit, avec son frère, donc moi j'ai toujours tendance à croire que les gens viennent, ils caressent dans le sens du poil et tout, à l'époque, quand il me faisait des compliments, je me dis non, c'est pas possible, c'est... Le gars me dit, ouais, j'ai fait une tentative de suicide. Et puis, voilà, mon frère m'a sorti de là. Moi, je passe les détails. Et là, je suis venu au concert, le mec en larmes sur une chaise roulante. Putain, merci, tu m'as donné envie de vivre et tout. Alors que j'étais en train de me flageller. À me dire, putain, t'as joué comme une merde, mais l'autre, t'es en train de te pignoler sur une note que t'as ratée. Alors qu'un gars vient te dire que tu lui as apporté un bien colossal. Au point qu'il a envie de vivre. Après, je ne parle pas de moi, Hassan Hajdi, en tant qu'Hassan Hajdi, qui a permis à un tel d'avoir de nouveau envie de vivre. C'est que la musique, c'est ce qu'elle apporte aux gens. Elle nous apporte énormément à tout le monde. On ne peut pas allumer un ordinateur sans entendre une musique, ouvrir une radio, une télé. La musique, elle est partout, curieusement. Et moi, ça m'a mis une grosse torgnole en me disant qu'il faut vraiment relativiser les choses. Quoi. C'est pas possible, t'es trop loin dans ton délire de perfection et ça te pourrit la vie. Et du coup, le spectacle que tu donnes, il est amoindri par le fait que je suis sur scène, je fais la gueule. Bon, maintenant, je fais des pains, hein, mais je me fais plus la gueule. Alors, sinon, je me serais mis une balle. Parce que des pains, j'en ai fait. Et j'en fais encore. Voilà, donc... Là, pour moi, c'était vraiment une grosse leçon, une super leçon, de dire, ok, la perfection, tu pourras encore t'enfermer 20 heures par jour pendant 20 ans, tu n'obtiendrais pas le résultat que tu veux. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ce que tu développes, tu le donnes. Voilà. Et au niveau que tu as, aujourd'hui, c'est ce niveau-là que tu as. Moi, je ne me voyais jamais au niveau que j'avais. J'ai le niveau-là, mais non, je me vois là, c'est là que je dois être. Non, tu es ici, accepte, point barre. Et là aussi, pour revenir à l'idée de stress, ça m'a permis de déstresser, d'avoir vachement plus de lâcher prise, de dire t'es comme ça, c'est tout, accepte-toi tel que t'es pas mieux que ce que tu es, tu sais faire ça, eh ben tu vas faire ça, point, c'est tout, tu pourras pas faire mieux. Et le truc, j'ai souvent ça chez mes élèves, ils ont bossé le nouveau plan de guitare et tout, je les évalue, ils jouent devant moi, et systématiquement le nouveau plan il passe pas. Bien entendu.
N'essaye pas de faire mieux que ce que tu sais faire. Fais ce que tu fais habituellement. Ouais, mais je suis blasé de ce que je sais faire. Eh bien, c'est ce que tu fais de mieux. Quand tu es blasé de quelque chose, c'est là que tu commences à maîtriser. Curieusement. Et moi, j'ai vraiment... Il y a eu des déclics comme ça où un soir, je dis, oh putain, là, aujourd'hui, tu vas tout donner. Non, tu vas rien donner, en fait. Tu vas faire la même merde que d'habitude. Et puis, tu vois, genre, bah, je m'en bats les tutes. Et, il n'y a que ton fils ici qui me dit. Voilà. Donc, en attendant, voilà, je me suis dit ça et j'ai joué avec une sorte de... Comment dirait de... Pas du je m'en foutisse, mais finalement, un c'était détachement. De lâcher prise. Et ouais, un détachement, exactement. Et tout passe. Waouh, première fois où tout passe, tout ce que j'ai travaillé à la maison, je me prends plus la tête sur rien du tout. De toute façon, t'es un naze, donc accepte. T'es pas bon. Et je joue, puis finalement, ben, pas tant que ça, finalement. Et puis je commence à me plaire, à dire, waouh, ouais, je kiffe quand je joue. Pour ceux qui ont des problèmes rythmiques, je conseille très, très, très vivement cet exercice-là. Il est juste énorme. Moi, j'ai, avec les milliers d'élèves que j'ai eu des résultats extrêmement rapides. Vraiment. Et c'est comme ça qu'on voit que souvent, les problèmes rythmiques sont pas toujours... c'est pas vraiment des problèmes de rythme. Un mec qui a des problèmes de rythme, en tout cas dans les écoles, les centres de formation où je suis, j'en ai eu deux. Et moi, je leur dis, dans ce cas-là, vous n'êtes pas fait pour ce métier. Parce que c'est un centre de formation, on est censé former des professionnels. Et ça m'est arrivé deux fois de dire ça à des élèves. Pourquoi ? Parce que je leur mets un métronome, ils n'arrivent pas à battre la mesure. Ça, c'est rédhibitoire. L'autre test que je leur faisais faire, c'est, je dis, voilà, tu prends ta guitare, tu me tournes le dos, je te joue une note, et tu dois la retrouver. Tu as le droit de te planter, mais une fois que tu as trouvé la note, tu n'as plus le droit de démordre de cette note-là. Et un élève m'a fait ça. Il passait 10 000 fois sur la note en question et il ne s'arrêtait pas dessus. Après, il y a un problème de nervosité. C'est sûr, certains. Il y avait un problème de stress, mais pas que ça. Parce que même les élèves les plus stressés que j'ai eus, ils arrivaient à battre la mesure, quoi. Et là, battre les temps, les contretemps, ils étaient complètement à la rue. Donc, voilà, les vrais problèmes de rythme, c'est ça. Après, les problèmes de placement rythmique... C'est souvent qu'ils abordent la rythmique avec une main droite qui est pas forcément qui a pas cette mécanique là. Cette mécanique là pour déjà apprendre le placement d'une première, deuxième, troisième, quatrième double. Pour moi, je vois pas de méthode plus rapide que celle-là que d'inscrire une rythmique binaire dans un débit de double croche et une rythmique ternaire dans un débit de shuffle. Voilà, c'est vraiment le béaba, mais ça vous amène super loin. Parce qu'en décomposant une rythmique comme ça, même une rythmique complexe, elle ne résiste pas à cette analyse-là. Pour aborder l'exercice, oui, je conseille très vivement l'aller-retour. Déjà, en premier lieu, de travailler le débit en ghost note de manière à avoir une rythmique uniforme et un son uniforme. Hein, pas qu'on entend un son différent à l'aller et au retour, déjà pour commencer, et que toutes les doubles croches soient placées... de manière uniforme, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment le premier point. Dès lors que vous savez faire ça, c'est impossible que vous ne jouiez pas en place. Et quand, si vous ne jouez pas en place en ayant un bon débit de la main droite, c'est soit que vous êtes nerveux, soit que vous n'avez pas une bonne coordination main droite-main gauche. Il n'y a pas d'autre... du coup, c'est facile à cerner les problèmes. Et moi, je vais super vite, je vais jouer un élève, je vais super vite à cerner son problème. Et après, il n'a plus qu'à travailler dans les directions, là. Voilà. Yes it is. Voilà. Et vous pouvez jouer n'importe quelle rythmique. Je sais pas, je prends. Voilà, je refais mon aller-retour main droite. Je fais une note rythmique. Ma main droite, elle fait que ça, elle fait rien d'autre. Dès lors que ça s'est placé. Après, bien entendu, il y a des petites nuances. On va commencer à mettre des accents sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième double, etc. Apprendre à accentuer, à jouer de pianissimo à fortissimo sans impacter le tempo. À passer d'une technique à une autre, par exemple, à faire genre ça. Ça.
passe d'une technique à l'autre, et ça, c'est souvent l'occasion de se planter rythmiquement, quand on change de technique. Donc, il faut apprendre à jouer de pianissimo à fortissimo et de varier les techniques. Et à plus forte raison dans l'improvisation, où là, on fait intervenir aller-retour les gâteaux, hammer, bend, slide, pull-off, tapping, finger-picking. Est-ce que tout est clair? Il y a vol. S'il y a vol, il faut appeler la police. Oh. Il y avait longtemps. On va commencer à s'endormir. Oui, oui. Est-ce que tu as une astuce pour faciliter la synchronisation main gauche, main droite sur des choses rapides en fait. Vas-y, développe. Je vais aller chercher un plan hyper rapide. Ouais. Oui, il y a toujours une des deux mains qui va être le facteur limitant, de toute façon. Parce que ça n'a pas l'air d'être le côté main gauche, ça va assez vite de ce côté-là, mais le côté main droite, je ne suis pas au bon moment. Il n'y a pas beaucoup d'astuces, c'est simplement trouver le tempo optimal. Le tempo optimal de travail, c'est celui qui te fait sortir légèrement de ta zone de confort. C'est-à-dire, si c'est une pièce qui est jouée à 150, et que et qu'à 100, je dis n'importe quoi, à 110, tu es à la rue, bah essaye 105. Si tu es à la rue, essaye 100. Et puis si là, tu es légèrement à la rue à 100, bah c'est à ce tempo-là qu'il faut que tu travailles. Il faut pas que tu fasses ta ligne pain sur pain quand tu travailles. Il faut que tu trouves vraiment un tempo dans ce type d'exercice où tu voilà, t'es légèrement inconfortable. C'est tout le temps ça, sortir légèrement de sa zone de confort jusqu'à ce que ça devienne ta nouvelle zone de confort. Et de proche en proche, tu arriveras à faire ce que tu veux. Mais il ne faut pas déroger à cette règle. Il faut y aller lentement. Il faut que ce soit à 95% clean ce que tu joues. Voilà. Si c'est à 100%, c'est que tu peux passer un petit peu à la vitesse supérieure. Yes? Voilà. Il n'y a pas d'autre astuce. C'est très simple. Et puis la patience, de l'huile de coude. J'ai de l'eau ici. Je suis obligé de me lever. J'ai pas de mobilité de bras. T'es un bon doudou, toi. Putain, non mais il faut la médaille du bon doudou. Voilà, ça y est. Je vais t'adopter. Hein? Bon, au début, ça va un peu te piquer les yeux, mais je reste subtil comme ça. Il y en a les qui comprendront pas. Petite question au quotidien. Est-ce que t'as un morceau que tu gardes qui est techniquement d'un certain niveau pour t'entretenir ou des exercices que tu conserves? Il y a un truc façon que j'aime bien faire, c'est... Ouais. Une pièce de Bach. C'est-à-dire, partitas pour violon seul de Bach. Ça, j'aime bien. Et puis, des petits... Après, j'ai mes petites routines de... les gâteaux, de sweep, de machin, de trucs chouettes pour entretenir. Mais enfin, ça fait des années que je bosse plus vraiment. Je fais un petit peu d'entretien. Mais j'en parlais hier avec Patrick, lui, il me disait qu'il continue à faire une heure et demie d'entretien. Et je lui dis oui, c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Mais je vais me remettre à faire au moins une heure tous les jours d'entretien. Quoi. Ça, c'est il faut au moins ça. Mais il y a une période, voilà, c'était tous les jours, et je bossais des routines sur la pinta, sur la gamme diatonique, sur les arpèges, et puis différentes techniques sur le slide, le bend, le pull-off. Enfin, je passe en revue toutes les techniques qui me plaisent. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quand vous ne bossez jamais la technique pour la technique, moi, c'est si vous bossez une... vous bossez quelque chose qui vous plaît, et ce quelque chose-là implique de travailler la technique du bend, des sauts de corde, de l'aller-retour, de ceci, de cela, et voilà. Et là, vous allez bosser la technique par rapport à quelque chose qui vous plaît, mais pas pour la technique. Ça, c'est un non, pour moi, c'est un non-sens total. J'ai jamais bossé la technique pour dire, tiens, je vais bosser du tapping, tiens, je vais bosser, non, j'aimais bien telle pièce de Van Halen,
elle nécessitait le tapping, j'ai bossé le tapping. Un truc de Malmsteen, ça nécessitait de jouer en sweep, et ben j'ai joué du sweep, mais bosser le sweep pour le sweep, le machin pour le machin. Vous pouvez faire des gammes. C'est un non-sens. C'est un... Après, apprendre par cœur des positions de gamme, oui, des positions d'arpège, oui, bien sûr. Mais il faut vite, pour moi, il faut vite passer à la pratique. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, je jouais sur un. Sur un mode mixolydien, vaut mieux que de Culora. Tu peux me dire si la balance est bien? De plan, tiens, j'ai bossé la technique pour la technique. Ça, c'est vraiment le truc où j'ai bossé la technique pour la technique et puis je n'ai pas, intégré le nouveau plan que j'ai bossé. Puis il ressort toujours de la même manière. Et ça, j'ai pratiqué à mort, à mort, à mort. Puis j'écoutais l'enregistrement, mais putain, mais arrête, c'est pas possible, tu peux pas jouer comme ça. Ben non, non, tu peux pas jouer comme ça, t'as pas le droit. Voilà, genre, vous avez compris le truc de. Pour moi, ça, c'est un des résultats de je bosse la technique pour la technique. Yes? Là, je jouais sur un. Vous savez sur quel mode j'ai joué là? Je l'ai dit peut-être. Hein. Putain, j'ai une mémoire de poisson. Il y a longtemps que t'es là, toi? Oui, carrément. Quatrième de lettre. 4, 5. Mixo. Mixo Lydia. No question? No question? Si, justement, au travers de l'improvisation, ce qui peut bloquer des fois, c'est de perdre le fil et de vite revenir à des gestes qu'on a bossés. Moi, c'est mon cas. Je sais que quand je me sens entre guillemets en insécurité sur l'improvisation solo ou quoi que ce soit, j'ai tendance à revenir à des schémas de doigts plus ou moins basiques qu'on a entendu 10 000 fois. Comment, quand tu pars dans un solo qui va durer assez longtemps, tu arrives à garder le fil? Ça, c'est un pléonasme pour moi. D'accord. Un solo qui va durer assez longtemps. Ouais, non, un solo, d'accord. Ça dure longtemps. D'accord. Oui, donc, comment. Ça, pour. Je ne peux pas te répondre en disant. C'est pour moi, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne connaissance du manche, avoir une assez grande variété d'approches. Tu vois, moi, je vais approcher. On était dans le mode mi-mixolydien. Ben, je vais l'approcher par les gammes diatoniques, par les gammes gamme pinta. Et dans la gamme diatonique, je vais avoir plein de systèmes qui vont me permettre de jouer la gamme. Un système tout simple. Ou un autre qui va faire. Un autre qui va faire. Etc. Plein des systèmes. Voilà. Là c'était des tétrades. Avant, c'était simplement un système digital qui va faire. Au lieu de faire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je vais faire 1, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, avec ou sans saut de corde, etc. Pour varier les intervalles, et je vais faire la même chose, de créer des variations sur l'aspect, dans l'aspect rythmique, dans l'approche rythmique. Genre, j'apprends déjà, je vais continuer le playback comme ça, et je vais faire juste ce que je disais tout à l'heure pour la rythmique, je vais passer en revue. Une partie de mon vocabulaire mélodique, juste avec un débit de double croche.
je m'attelle à faire de la double croche, il n'y a pas des rejets de ce débit. Même si je me casse un petit peu la tronche, mais double croche, double croche, double croche, double croche. Et quand c'est vraiment bien, bien acquis, je m'amuse à commencer à y mettre des séquences rythmiques, genre, ouais, la main droite, elle a fait que ça. Quand c'était de l'aller-retour, et puis quand il y avait d'autres techniques, j'utilisais d'autres techniques, mais le truc, c'est être à l'aise avec le débit de double croche. Et après, je peux inscrire n'importe quelle figure rythmique dans ce débit de double croche, je serai toujours en place, en principe. En tout cas, le travail d'après, c'est ça. Par exemple, je vais faire... Ma main droite, elle va faire que d'aller-retour, mais... L'étape d'après, c'est de mettre soit des quarts de soupir, des demi-soupirs, des demi-soupirs pointés, soupirs, etc. Des silences plus ou moins longs, ou alors des liaisons. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, au lieu d'avoir... j'aurais... Là, je fais une liaison en jouant des croches pointées, par exemple. Dans cette figure. Mais c'est toujours une figure rythmique qui s'inscrit dans... On entend toujours des doubles croches, si vous comprenez. Et même mentalement, je continue à les entendre, même quand je fais... Et à chaque fois que je joue, après c'est plus ou moins instinctif, mais on est toujours dans le débit rythmique. Ça veut dire qu'il n'y a pas une note qui nous échappe rythmiquement. Même si ce n'est pas nécessaire, du coup, tu gardes l'enchaînement de bas, haut. Pas à 100%, parce qu'il y a des techniques autres que l'aller-retour, forcément, quand je vais faire... Je fais de l'hybrid picking, forcément. Après, c'est le placement rythmique qui devient mental, il devient instinctif. Et je m'appuie là-dessus. Mais mon point de départ, c'est vraiment comme quand je fais de l'accompagnement rythmique. Je me base vraiment sur cette approche-là, parce que pour moi, c'est la plus instinctive pour pouvoir mettre en place la rythmique. Si je vous demande de faire un débit de double croche, et puis ensuite de faire de l'accentuation, par exemple, sur la deuxième double croche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, vous allez utiliser la technique de l'aller-retour. Pour moi, le premier pas dans le travail rythmique, c'est la technique d'aller-retour. C'est ce qui est le plus facile. Et j'ai remarqué souvent, dans le rythme, on a toujours un système binaire. Même les batteurs, ils ont gauche-droite, les bassistes, ils ont index majeur, les gratteux, ils ont aller-retour. Voilà. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'apprendre le rythme comme ça. C'est-à-dire le mettre... Et utiliser cette technique-là pour remplir les silences. Parce que c'est beaucoup plus difficile de sentir un long silence que j'avais ça. Imaginez, je vous mets un tempo, je ne sais pas, moi, je vais mettre 20 à la noire, et je vous demande de taper la deuxième double du troisième temps. 3, 4, et je ne dis plus rien. Et puis voilà, de taper deuxième double à l'unisson. Je vais avoir... Ça va faire ça, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que c'est super difficile d'appréhender le silence. Alors que si je vous mets tempo 20 à la noire, que je remplis de ghost notes, tout le monde sera à l'unisson. C'est aussi simple que ça. Et donc, en abordant le rythme comme ça, il y a de fortes chances qu'on fasse des progrès très très rapides. Mais encore une fois, il faut de la méthode, il faut toujours travailler méthodiquement. Je fais des séances de travail avec les élèves, une heure... Et au bout d'une heure, putain, ils disent, waouh, putain, on a fait un pas en avant de ouf. Mais si on travaille tout le temps méthodiquement, on progresse tout le temps en permanence. Même si c'est des micro-progressions,
Mais sur un an de travail, c'est colossal. On fait des progressions de fou. Est-ce que tout est clair? Mais oui, c'est clair. Si. Mais oui, c'est clair. Ça vous dit quelque chose, non? Et double D, Y, Trinion et Malou, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il impose la force vers l'ovanium. Je vous en prie. Oui, absolument, de l'aller. Absolument. C'est une très bonne question. Si on fait de l'accroche, ça va faire... Comme ça, dès quand il veut passer à la double croche, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a plus qu'à à mettre le retour et puis ça fait de la double croche. Même un vrai débutant, absolument. Ah oui, c'est même impératif. Même je fais vite passer à la double croche d'ailleurs. À tempo lent, mais avec un clic facile, c'est-à-dire un clic où il aura plein d'infos rythmiques. Même genre un clic qui fait tat 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 tat. D'ailleurs, on peut bosser à 40 à la noire, mais comme on a les doubles croches derrière, c'est facile à tenir le tempo. Parce qu'un tempo très lent est très difficile à tenir. Très très difficile. Hein, ouais. Ça demande plus de précision, mais c'est comme ça qu'on travaille, pareil, pour la précision rythmique. Moi, je préconise toujours de travailler à tempo médium, genre 70. Je trouve que c'est un bon tempo, un bon compromis entre pas trop difficile techniquement et pas trop bas pour tenir la rythmique. Et petit à petit, baisser le tempo pour augmenter la précision. Il ne faut pas hésiter à aller jusqu'à 40, mais très progressivement. Tu allais poser une question? Non, j'avais cru voir une main se lever. Travailler... Les retours main droite avec la souplesse, surtout débloquer la souplesse, tout ça. Mmh. Rhythmic funky, non? Peut-être plutôt des trucs comme ça ou... Je dis toujours qu'il faut bosser ce qu'on aime. Ouais. Là, tu passes du temps, tu vois, c'est Idriss Aberkan, il dit love can do. Love can do, c'est-à-dire ce que t'aimes, tu peux le faire. Voilà, tu passeras. Tu as une grosse capacité de prendre des tartes dans la tronche quand t'aimes un domaine. Alors qu'un domaine qui te gonfle, la première claque que tu prends, tu dégages. Voilà. Donc, travaillez ce que vous aimez. Hein? Pardon? C'est ça. Travaillez ce que vous aimez. Moi, je crois que c'est un des meilleurs conseils que je puisse donner. C'est les deux piliers pour moi de la progression sont une approche théorique, ça c'est sûr, pour pouvoir analyser, et une approche plus ou moins instinctive de relever la musique que vous aimez, essayer de la jouer le plus parfaitement possible. Et la théorie vous permet de l'analyser et de vous l'approprier le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il faut prendre des cours. Est-ce que la mentalisation, enfin la visualisation, sans avoir la guitare en main, d'un morceau, d'une grille, tu la répètes dans ta tête, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça... Ben moi, j'ai tendance à me dire que le temps que tu mentalises des choses, il vaut mieux les passer sur une guitare si tu peux. Sauf si tu n'as pas le choix, le batteur avec qui je bosse, il fait beaucoup ça. Quand il ne peut pas jouer de la batterie, il mentalise des choses et il bosse énormément comme ça. Il est monstrueux en plus. Il joue vraiment de la mort, il bosse peu. Ouais, il est super doué. Donc c'est peut-être pas un exemple à suivre, mais lui, il fait ça beaucoup. Il mentalise des choses. Mais si tu as le temps en une guitare, autant travailler sur la guitare. Hein. Ça, c'est clair. Je ne peux pas faire autrement que ça, maintenant. J'aime pas faire. Je peux faire très bien, hein, je peux dire, tiens, je vais faire. Je peux, hein, si je sais le faire. Je le fais des fois pour mettre, justement, pour mettre en exergue une note. Je fais. Et cette note-là, que je voulais mettre en exergue, je la précède, je la prépare avec soit une shredderie avant, soit des ruptures rythmiques, soit des intervaux, des cassures d'intervalle, mais regarde. Je chante et puis, mais au début je chantais ce que je jouais. Et là, maintenant, j'entends une mélodie, j'arrive. En fait, c'est du scat, en fait.
Là oui, mais en général, sur scène, je chante dans ma tête. Quoi. je peux. Voilà, c'est ça. Mais ouais, après, moi, la méthode de travail que je préconise, oui, bien sûr, elle t'amène à jouer la musique que tu entends. Pour moi, c'est le fin de l'improvisation. Bon, sinon, je peux très bien répéter des plans par cœur, mais ça me gonfle. Je peux faire une date, deux dates, la troisième, ça va me gaver, alors que je prends un pied phénoménal à jouer. Quand je joue ce que j'entends, là, c'est le top. Je kiffe comme un fou quand je fais ça. En plus, je me kiffe tellement. Il y a de quoi, en plus. C'est incroyable. En toute modestie. En toute modestie, bien entendu. Voilà. Comment tu préconises de travailler cette technique-là de chanter ? Ben, c'est déjà de répéter. Toi, le travail sur des playbacks, là, c'est encore une fois, méthodique. Là, tu vois, c'est un playback qui est complet, où il y a guitare, basse, batterie, harmonie, rythmique, quoi. Et travailler aussi... Tiens, tu peux me chanter la fondamentale de ce playback ? Voilà, c'est ça. Et quand vous jouez comme ça, vous travaillez sur des modes, il ne faut à aucun moment perdre la connexion avec cette fondamentale. Parce que je l'ai remarqué chez plein d'élèves, je les fais bosser sur un playback, j'arrête le playback, chante-moi la fondamentale. Ils mettaient un certain temps pour la trouver. Tu vois, c'est ce qui veut dire qu'ils étaient un peu dans les voies supérieures, mais la fondamentale, ils l'ont perdu. Et c'est essentiel de garder toujours ce contact-là pour dire, voilà, la tierce, la quinte, sur le mode mixolydien, c'est ces quatre notes-là qu'il faut cibler sur tous les temps forts. Je remets le son. 1, 2, 3. On arrive sur le mi majeur. Fondamental. Tierce. Quinte. Fondamental, etc. Et donc, il faut s'atteler à cibler au début comme exercice. C'est qu'un exercice, c'est pas une fin en soi. S'atteler à marquer systématiquement fondamental, tierce, quinte, septième, pour ce mode-là, par exemple. Systématiquement. Et là, déjà, on a déjà l'ossature, c'est-à-dire la base, l'accord de base. Et par la suite, donc, développer, parallèlement à ça, développer des systèmes mélodiques, c'est-à-dire un mode de déplacement dans la gamme majeure. Exemple. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un autre. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un autre. Etc. Enfin, il y en a des millions. Et après, c'est tout des modes de déplacement, des systèmes plus précisément, qui me tiennent à cœur. J'aime bien ce type de système, donc je le développe. Et après, quand j'improvise, je passe d'un système à l'autre. Voilà, en gros, c'est pas toujours. Des fois, je reste. Je sors des sentiers battus. Là, je viens de faire n'importe quoi. Non, enfin, voilà, dans la majorité des cas, c'est. Quand on improvise, on passe par les sentiers battus, dans 99% des cas, au moins. On passe toujours par ce qu'on a travaillé. Et on l'a mémorisé, forcément. Au même titre qu'on écoute de la musique, ça nous influence et puis ça influence notre façon de développer la mélodie. Quand je travaille des systèmes comme ça, forcément je développe ma mélodie en fonction de ça. Et je les ai mémorisés. Ça. C'est trop aigu pour moi. Mais tu as compris le principe, c'est je mémorise tous ces systèmes et après quand je chante, forcément je chante dans mon réservoir de notes, dans mon réservoir de systèmes. Voilà. Et là-dedans, tu peux toujours faire des créations en temps réel. Et pour moi, j'ai besoin d'avoir plein de grandes variétés d'approches pour pouvoir me sentir bien. C'est pour ça que j'ai développé plein de systèmes mélodiques comme ça, en gamme majeure, mineure, mélodique, mineure, harmonique.